Alors, coucou tout le monde. Bon, je viens faire le petit tirage, vous savez, ministre de la Santé, là, hein, voilà le nouveau arrivé, qui me sort de on ne sait pas où, hein. Mais bon, moi j'ai aucune opinion, on verra bien. Bon, j'ai entendu ce qu'une personne qui le connaît m'a dit, voilà, oui, mais bon, moi j'ai pas d'opinion, hein, personnelle, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà nous dire sur lui? Alors, François, hein, bon, mais on ne veut rien savoir de sa vie personnelle. Bon, il y en a trop. On va prendre la dernière. Le petit message. Les reliques de l'Empire. Fragments, mémoire, récupération. Ah non, les reliques de Lémurie, excusez-moi. Fragments, mémoire, récupération. Bon, une relique. Un vieux truc qui sort de on ne sait pas où, hein, voilà. Comme on disait, s'il vous plaît. Alors, pour nouveau ministre de la Santé, l'oracle, vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine. Bon, alors, on pourrait peut-être penser, hein, que voilà, c'est l'univers qui nous l'envoie. Hein. Bon, moi, je ne sais pas comment il est dans sa profession. On sait que c'est le médecin du SMUR, voilà. Après, moi, je n'en sais pas plus. On va dire ça comme ça. Je vais fermer ma porte parce qu'il y a un monsieur au camping. Me revoici. Allez. Alors, on va prendre le tarot, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à François Braun? Alors. On a l'as d'épée, la roue de la fortune, hein, mais bon, normalement, vous avez vu, c'est à l'envers. Mais bon, ici, on vous dit as d'épée, force, énergie et puissance d'action sur les événements, hein, d'accord? Donc, en fait, voilà, hein, il est devenu ministre, il a un pouvoir, d'accord? Confiance et initiation nouvelle, vitalité et pouvoir de décision, vous voyez, c'est vraiment ça, il est content parce qu'il a du pouvoir. Ici, on a la roue de la fortune. Alors, le téléphone sonne, je vais regarder qui c'est. Allez, j'ai pas eu le temps d'arriver au téléphone. De toute façon, je suppose que c'est encore une fois de la pub. Donc là, on voit l'as d'épée avec la roue de la fortune. La roue de la chance tourne favorablement. Opportunité satisfaisante grâce au dynamisme, à la providence et au hasard. Changement très rapide et bénéfique, d'accord? Vous avez vu, il va y avoir du changement. Lui, il est content ici parce qu'il a du pouvoir. L'as d'épée, je vous laisse lire la carte si vous y arrivez. Voilà, d'accord? Donc, il a pris le pouvoir, il est content. Le problème, c'est que la roue, elle tourne, hein? D'accord? La roue tourne. Donc, eh ben, écoutez, voilà. Alors, on va redemander, s'il vous plaît, concernant François Braun, ministre de la Santé, nouveau ministre de la Santé. Donc, le pour, le contre, hop. La réponse, et je vais en mettre une au milieu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pendu. Sacrifice, renoncement et limitation dans les projets. Vous voyez, en fait, même lui, soumission et impossibilité d'agir, échec et rupture. En fait, il croit avoir la bonne place, hein, mais il est là comme un pantin. D'accord? Il est pendu. Il ne pourra pas faire ce qu'il a envie de faire. Difficultés diverses et pertes matérielles. Perte de vitalité physique et morale, faiblesse et fragilité. Vous voyez, on a le sacrifice, donc il a sacrifié sa place là-bas au SMUR et tout ça, hein, mais il va renoncer à ça, hein, vous voyez, parce qu'il est pendu de toute façon. C'est complètement défavorable, hein, pour lui. Ah bah regardez, c'est très simple, hein, voilà, en contre, hein, je sors l'arcane sans nom. D'accord? L'arcane sans nom.
Transformation brutale et difficile à vivre, vous voyez? Échec, tristesse. Voilà. Restrictions matérielles et isolement. Passage difficile à surmonter. Donc, vous voyez, il croit être bien, ben, rien du tout, hein, rien du tout. On a le battleur ici. Début d'une relation, on voit bien, hein, voilà, début d'un commencement, voilà, d'un projet, bah oui, de son rêve d'être ministre, voilà. C'est vrai que là, il a eu un coup de chance, mais on voit ici, hein, de toute façon, il est pied et main liés, d'accord? Regardez, par le diable, d'accord? Par le diable. Désir de domination sur le monde matériel, tentation poussée par l'orgueil, malveillance et désordre. Vous voyez, le diable, voilà. En fait, lui, il croit qu'il va avoir son mot à dire, mais rien du tout parce qu'il y a le diable là, qui va venir le remettre à sa place. Hein, d'accord? Ça va vraiment être difficile pour lui, hein, moi je vous le dis. Hein. Il y a de l'abus de confiance, il y a de l'escroquerie. Il va être immobilisé. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas de chance, hein? Pas de chance, il ne va pas y arriver, hein? Ça ne va pas durer longtemps, hein? D'accord? Et alors, en conclusion, on a l'as de bâton. Pam, 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 pam. Décision bénéfique et heureuse, vous voyez? Voilà, donc il va reprendre son pouvoir, hein. Donc moi je lui dis il va s'en aller. Et ce sera la meilleure décision parce que là, tout est mauvais pour lui, hein. Vraiment, tout est mauvais pour lui. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il va faire des efforts, hein. Voilà, ces efforts vont aboutir, mais l'effort, c'est de dégager, hein. De toute façon, il ne va pas arriver à rester là sans s'étendre, hein, je vous le dis tout de suite. De toute façon, on arrive à la fin du bordel, donc comme ça, on est tranquille. Alors, on va regarder avec le lotus, s'il vous plaît, concernant François Braun. On a l'union, donc vous voyez, c'est bien ça, hein, d'accord, l'union avec un homme, hein, d'accord, le choix. Donc, on lui a demandé de s'unir à Pinocchio. D'accord, l'homme, hein, il a choisi. S'il vous plaît. Oh là là, il y en a beaucoup. On va quand même les prendre. Voilà. On a le conflit, vous voyez. Ça va arriver, hein, le conflit va arriver. Sur l'amitié, hein, donc vous voyez ces gens qui se serrent la main là, sur l'homme. Hein. Pour l'instant, voilà, il a fait un choix parce qu'il a cru que c'était son ami. Ben non, les conflits arrivent. Hein. Alors, sur les choix, il y a la naissance, il y a bien la trahison. La trahison, la justice. La tristesse. Parce que vous voyez, la transformation arrive. La transformation où? Dans la famille, donc dans la compagnie créole. OK? Et voilà, il y a la perte. Il y a l'ennemi dans le travail. Vous voyez, hein? Il y avait beaucoup de cartes, mais je les ai prises. Donc, il y a un homme qui a demandé de s'unir à lui. Il a fait son choix. Il a dit oui, d'accord. Malheureusement, ça ne va pas durer parce que les conflits arrivent. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est la trahison, donc vous avez bien compris, le diable va trahir, voilà quoi. Ça va finir en justice, tout ça, voilà. Ben, il va être triste, lui, parce que cette place-là, apparemment, moi, on me dit qu'il en voulait quand même, voilà. Mais tout va se transformer dans cette compagnie créole ici. Ils vont à leur perte, voilà, puisque de toute façon, dans ce travail-là, hein, il n'y a que des ennemis, d'accord? D'où la carte du diable qu'on avait sortie tout à l'heure. Voilà. Le diable. L'arcane sans nom. La fin. D'accord? C'est la fin. C'est la mort du diable, hein, de toute façon, ici. Hein. Voilà.
Donc, on va recouvrir avec le oracle onirique pour voir ce qu'on va nous dire. Alors, François Braun, il y a le temps, vous voyez, il y a les insectes. Ça pique, hein, voilà. Il y a l'enfant. Alors ici, moi, insectes et enfants, attention, hein. Moi, je dis qu'avec le temps, voilà, ils essayent vraiment de piquer vos enfants. L'insecte, ça peut être ce poison, ça peut être cette picouse, hein. D'accord? Alors, s'il vous plaît, François Braun, lui veut vraiment aussi piquer les enfants, hein, je vous le dis, hein. Il y a l'obéissance, regardez. L'obéissance, regardez la carte, hein. D'accord? La solitude. Donc, il va être obligé d'obéir parce que ben, sinon, il va être seul. D'accord? Et là, voilà, on a les racines. Hein. Donc, il va repartir de où il vient. OK? Et on a le chien. Les chiens, vous voyez, il est tenu en laisse, en fait. Hein. On voit bien cette laisse. Hein. Alors, François Braun, s'il vous plaît. On va lui demander d'obéir, hein, d'obéir et vraiment de picouser les enfants. Moi, c'est ce que je veux dire. D'accord? Voilà. Le temps, hein, vous voyez, les insectes, les enfants, obéissance, solitude. Donc, il va repartir de où il vient parce qu'il est tenu en laisse, il ne peut rien faire. La jeunesse, vous voyez les enfants et la jeunesse hein, qui sont tenus à la laisse, hein, voilà. Et lui aussi d'ailleurs. Hein. Alors, François Braun, s'il vous plaît. Oh là là, non, ben là, il y en a beaucoup trop. Donc, cela, on ne les prend pas, s'il vous plaît. Dernier message, François Braun, ministre de la Santé. Bon, là, il y en a moins. On va les prendre, on va voir. Alors, ici, on a... On a extraordinaire. On a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. On a l'achat. On a l'argent. D'accord? Pourquoi ici, ce que j'entends? Extraordinaire, on nous fait croire à une pipique, super, voilà. Puisqu'ils les ont achetés, d'accord? Ils ont dépensé de l'argent, voilà. Mais bon, bah, ils vont se retrouver à poil, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que terminé, hein, ils n'y arriveront pas, d'accord? Ils ne pourront pas récupérer cet argent. Donc, bah, lui, voilà, hein, c'est comme les autres. Bon, il n'est pas mieux, hein. De toute façon, ce qui rentre dans cette compagnie créole-là, si vous arrivez encore à leur faire confiance... Alors, on sort quand même encore la carte de l'univers, hein, vous voyez. Mais bon, peut-être quelqu'un, hein, vraiment qui travaille, voilà, vraiment pour sauver les gens, hein. Enfin, voilà, directeur du SMUR, ça ne s'invente pas, hein. Le SMUR, on sait que c'est la dernière minute, hein. Alors, c'est peut-être l'univers, hein, parce que lui, il est peut-être aussi en même temps endormi, hein, des endormis. Vous savez, il y en a dans toutes les professions. Peut-être l'univers qui l'envoie, hein, voilà, pour que... bah pour montrer vraiment hein, que tout ça est du complot, d'accord? On a l'univers, le jardin. Alors, François Braun, s'il vous plaît. L'illusion, vous voyez, il est complètement dans l'illusion. En fait, il voulait cette place pour moi, hein, pour moi, ici, d'après mes cartes, d'accord? Il voulait vraiment cette place... parce qu'il était bien placé pour voir ce qui se passe et proposer des choses. C'est l'univers quand même qui nous l'envoie, hein, pour lui montrer que même lui, il est dans l'illusion, hein, d'accord? Voilà. Alors, François Braun, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son poste de Premier ministre? De ministre de la Santé, excusez-moi, ministre de la Santé.
Alors, on a le pardon, on a l'Antarctique. Je ne sais pas ce que ça vient faire ici. On a vol et perte, hein, vous voyez, abus de confiance. Alors, il est possible, hein, qu'il se fasse manipuler, hein, qu'il ait trompé aussi. Mais attention, hein, il est possible aussi qu'on va lui demander, d'accord, de nous escroquer, de nous manipuler, de nous tromper, bien sûr. Mais de toute façon, il va à sa perte. Lui, on voit ici, hein. Alors, s'il vous plaît. Alors, on a l'Antarctique et l'Amérique du Nord. Hein. Vraiment, vous voyez, il y a les continents qui sortent. Alors, normalement, ça n'aurait pas dû. À moins que, hein, voilà, l'adversaire. L'opposition, hein, vous voyez. Alors, s'il vous plaît. François Braun. Alors, on a quand même la délivrance et les enfants. D'accord? Mais moi, ici, je vois qu'il y a un pays étranger, alors peut-être l'Amérique du Nord, hein, qui va lui mettre les bâtons dans les roues, voilà, pour pouvoir délivrer nos enfants. Mais peut-être aussi pour apprendre certaines choses, hein, par rapport aux enfants. Mais non, moi, je pense plutôt délivrer les enfants, puisqu'on a la protection ici avec, hein. Alors, hop, clac, clac. On a quoi? On a la tentation. Attention, ce n'est pas une personne stable, hein, d'accord? Ce n'est pas une personne. Attention, hein, c'est quand même quelqu'un qui est attiré, je dirais, par l'argent et tout ça, hein, d'accord? En plus, il est impulsif. Mais vous voyez, il y a plein de choses qui sont tenues secrètes, hein. Il y a le silence. Vous voyez? Regardez. On a la mutation, donc vous voyez, il ne restera pas, changement de poste ou de fonction, hein, même si ici, il vient de changer de poste et tout, il va rechanger. Voilà. Parce que vous voyez, il ne va pas, pour moi quand même, il est quand même envoyé, il est complètement dans l'illusion, d'accord? Même lui, il n'a pas compris cette supercherie, alors l'univers nous l'a envoyé ici. Et malheureusement, il va tout perdre, voilà. Parce qu'il a des adversaires, hein, il a des pays étrangers qui sont ses adversaires. Et ce qu'on demande vraiment, c'est de délivrer les enfants, vous voyez, de les protéger. Et lui, il va entrer dans le jeu du mal quand même, hein, d'accord? Ou de les protéger contre le mal, voilà, qui sont tenus secrets. Il ne va pas accepter, donc bien sûr, il va redégager, voilà. Vous voyez, parce que regardez, il va être seul et il y a le chagrin. Hein. D'accord? Donc pour moi, il voulait vraiment cette place. Ben oui, parce que ben, il y a de l'argent à gagner. Peut-être que, voilà, en étant le grand chef du SMUR et tout, il s'y connaît. Hein, voilà, il est peut-être un bon médecin. Hein, voilà. Mais je crois aussi que j'ai vu quelque part qu'il faisait partie d'un truc pour défendre les soignants et tout. Alors, je ne sais pas. Moi, si personnellement, si personnellement, il ne serait pas envoyé justement, hein, puisqu'il a un pouvoir quand même, voilà, pour délivrer, d'accord, pour nous délivrer, hein, surtout les enfants, d'accord, la protection, hein, parce que je ne sais plus ce que j'avais lu sur lui, mais il était chef. Du SMUR, je crois, et président de je ne sais plus quoi, une association qui défend les soignants et tout ça. Donc, je pense qu'il va tenter de faire son travail, voilà. Mais le problème, c'est qu'il va avoir les bâtons dans les roues par la compagnie créole, hein, et ça risque de pas lui plaire. Donc, il va s'en aller. Mais de toute façon, on a bien vu qu'il y a une transformation qui arrive complètement dans cette compagnie créole. Alors, est-ce que c'est pas lui qui va diluer des choses, hein? Voilà. Donc, bah écoutez, le mieux c'est d'attendre. Parce que ici, vous voyez quand même dans les premiers messages, on a quand même intervention divine avec l'oracle, hein, d'accord? Vie sacrée, communication avec les esprits.
Et on a vraiment ici, voilà, l'intervention divine. Mais là, on a la récupération quand même sur fragment mémoire récupération, d'accord? Donc, il est possible pour moi qu'il soit envoyé. Alors oui, c'est peut-être une tête de con, voilà. Mais peut-être qu'il a envoyé pour vraiment voir ce qui se passe dans cette supercherie, d'accord? Voilà. Et au moment voulu, il nous protégera. Peut-être qu'il est là aussi pour voir des choses, sortir de son illusion à lui et nous informer. Hein? Voilà. Eh bien voilà, ce petit tirage est fait. On va regarder avec ce jeu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur François Braun, s'il vous plaît? Ministre de la Santé. Bon, alors, on a la carte de la sexualité, mais c'est aussi les désirs, les pulsions, hein, d'accord, les plaisirs. On a les voyages, donc les déplacements. La séparation, vous voyez? Voilà. La séparation. Donc, pour moi, il ne va pas rester longtemps, hein? Non, 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 non. Alors, ici, on a la maison. Donc, c'est la famille et tout ça, mais bon, là-bas, vous savez ce que c'est, hein? Voilà. La clairvoyance, donc l'intuition, l'intelligence, d'accord? On a le cadeau, donc il va nous faire une bonne action là-dessus, hein? Vous voyez, quand même, pour moi, je pense. On a l'accusation, les ragots, les commérages par rapport à la santé. Et ici, on a la carte de la femme. Alors, écoutez, moi, je pense qu'il ne va pas rester là longtemps, mais en tout cas, il va ouvrir ses yeux sur cette compagnie créole, d'accord? Et il fera une bonne action. Il y aura des commérages, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Moi, je pense qu'il va nous avouer quand même des choses par rapport à la santé. Et la femme, ça peut être la France, hein. D'accord? Voilà. Donc voilà, bah écoutez, il bah, faut attendre. Hein. Vous avez vu, il y a plein de choses qui sortent. Donc voilà. N'attendez pas de voir ces choses-là à la télé, vous ne les verrez pas. La télé n'est pas faite pour ça. La télé est faite pour vous perturber votre cerveau et non pas pour vous donner des vérités. Voilà. Si je peux, je fais un live ce soir. Je dis bien si je peux, d'accord? Parce que là, il faut que je finisse mes bracelets. Faut que je les prenne en photo, que je les mette sur mon site. Voilà. Donc, c'est très très long. Si j'en ai marre, j'arrête, je fais un live. Si j'ai fini de bonne heure, je fais un live. Voilà, je ne sais pas. D'accord? Voilà. Je ne suis pas réglée comme du papier à musique, donc je ne sais pas. Voilà, les amis. Bon, écoutez, on va attendre, on va voir hein, ce qui se passe. On va essayer que tout se passe pour le mieux et qu'on soit délivré, mais pour être délivré, il faut aussi se délivrer hein, de soi-même. Voilà. Bisous tout le monde et bonne soirée.